Avec notre invité ce soir, on va évoquer la question de la présidentielle 2020. Plusieurs candidatures se sont déjà déclarées pour ce scrutin. Parmi ces candidatures, il y a celle du PDP, le Parti démocratique panafricain que préside le député Innocent Kagbara. Il est notre invité ce soir, Innocent Kagbara. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors on va parler, comme je le disais, donc de ce scrutin majeur que le pays se prépare à organiser, le premier tour de la présidentielle. Ce sera le 22 février 2020. Mais d'abord, vous avez décidé de vous lancer avec votre formation politique dans la course à la présidentielle. Niveau PDP, comment ça va? Comment se porte le parti? Merci Samuel, merci pour l'opportunité que vous me donnez ce soir de parler du Parti démocratique panafricain, de nos ambitions pour le Togo. Le parti se porte très bien. Le parti se porte très bien. Nous avons été élus à la tête du parti en mars 2019. Et depuis, nous avons fait un travail de maillage du territoire, un travail de réorganisation, ce qui fait que nous sommes au Parlement togolais avec un député. Je représente le PDP avec notre ami du centre, l'honorable Djiri Tama. Nous avons un groupe parlementaire. Au niveau des locales, nous avons présenté 17 listes. Nous avons eu 8 conseils. Et nous avons eu un troisième adjoint au maire à Noitier. Donc je pense que le bilan est satisfaisant. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez pris les rênes du parti en mars 2019. Est-ce qu'il y a une identité Kagbara Junior que vous imprimez à ce parti? Oui, quoi que l'on dise, vous savez, quand vous prenez le cas des États-Unis, il y a des familles, on ne peut pas dire... Il y a eu quand même de l'alternance au niveau du PDP. Je tiens à vous faire remarquer que quand vous prenez le gouvernement quand même de Fornia Singbe, il y a pas mal de ministres qui sont dans la quarantaine. Oui. Vous voyez, certains partis traditionnels de l'opposition, c'est les mêmes. C'est la même figure emblématique depuis les années 90. Je pense qu'il faut qu'il y ait du renouveau parce que ça permet la vitalité de notre démocratie. Donc au niveau du PDP, nous l'avons fait. Et ça nous a permis de toucher une cible que le président fondateur ne pouvait pas toucher. Et ça nous a permis de faire un travail. Actuellement, nous venons de boucler une tournée sur le plan national où nous avons installé les 38 préfectures. Nous avons des bureaux préfectoraux sur l'ensemble du territoire. Et nous sommes en train de faire un travail au niveau des cantons et au niveau des villages. Donc nous sommes en train de faire véritablement un travail de maillage du territoire parce que c'est fondamental pour nous. Et nous allons lancer une opération de 10 000 adhérents à l'ouverture de la campagne officielle. 10 000 à 100 000 adhérents. Le minimum, c'est 10 000, le maximum, c'est 100 000. Donc, c'est une opération que nous voulons lancer parce qu'un parti qui n'a pas d'adhérents, maintenant, si vous êtes du PDP, nous voulons vous connaître. Nous voulons savoir qui vous êtes. Donc, vous ne venez plus chez nous par sympathie parce qu'il y a une élection, mais vous venez par conviction. Et ce n'est pas nous qui finançons, mais c'est vous qui financez le parti. Bon, voilà l'approche que nous avons. Donc, il y a eu un changement de paradigme et que nous assumons pleinement. Et nous sommes dans le réalisme, dans l'humanisme, dans le centrisme. Voilà le message empreint de clarté, d'efficacité que nous servons à la population. Cette tournée dont vous parlez tout à l'heure, comment elle s'est déroulée? Est-ce que vous en êtes revenu un peu plus confiant aujourd'hui? Oui, nous avons été reçus par les populations, par nos bureaux. Ça s'est très bien passé. Je tiens à féliciter l'ensemble des fédérations qui sont en train de faire un travail de terrain formidable. Nous tenons à les féliciter pour ça. Ça s'est très bien passé, le message est passé, c'est un message de rassemblement. Rassemblement au niveau du centrisme, parce que le centrisme, je crois que l'alternance sera assurée par un centriste, qu'on le veuille ou pas. Quand vous voyez les antagonismes entre les deux blocs, c'est très difficile que tel que je connais la politique togolaise maintenant, de loin c'est un peu difficile, mais de près, quand vous vous approchez des gens, vous vous rendez compte que ça sera très difficile. Vous avez d'un camp les conservateurs, un autre camp les radicaux. Donc c'est très difficile, il faut une force tampon. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de faire une proposition pour rassembler au niveau du centrisme, parce que notre politique est guidée par le réalisme, le pragmatisme, l'humanisme et le progressisme. Voilà, c'est ça qui caractérise le centre. Et je vais vous faire remarquer au passage qu'il y a pas mal de candidats qui sont venus de la diaspora, même qui sont ici, qui sont des centristes. Quand vous écoutez leur discours, je ne vais pas citer les noms, mais vous avez reçu des candidats ici. C'est un discours du centre. Et il serait intéressant de voir le score du centre au premier tour. Ça sera, parce que je vous assure que s'il y a alternance au Togo, ça sera assuré par un centriste. D'accord. Alors maintenant, vous l'avez dit, le parti, il est candidat.
C'est vrai qu'on a vu Bassaby Kagbara déjà candidat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé ce choix pour vous qui avez pris les rênes de ce parti en mars dernier seulement, de vous lancer dans cette aventure? Je suis jeune, c'est pour donner de l'ambition aux jeunes, que les jeunes s'inspirent de ce que nous sommes en train de faire, parce que nous serons peut-être, ça ne va pas plaire à beaucoup, mais nous serons peut-être le champ du dégagisme, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait du renouvellement au niveau de l'opposition. Je ne pas reconnaître la force de son adversaire, et que l'adversaire fait bien, ça c'est faire signe de faiblesse. Oui. Vous comprenez? De l'autre côté, il y a eu quand même un rajeunissement de la classe politique au niveau des conservateurs. Moi, je ne les appelle pas RPT Unir, mais c'est des conservateurs. Au niveau des radicaux, je pense qu'il y a quand même du travail à faire. Nous saluons ce qui a été fait depuis les années 90, mais il doit y avoir un changement de paradigme. Et c'est intéressant de voir ces candidatures jeunes au niveau de l'opposition, parce que nous retrouvons. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas le passé qui nous intéresse, c'est comment nous avançons. C'est pour ça que notre slogan de campagne est « Choisir d'avancer ». Nous voulons avancer. Voilà. Alors, vous êtes quand même ce candidat du PDP, vous parlez à la jeunesse, mais quand moi j'écoute un peu tous les leaders politiques, qu'ils soient de la vieille garde ou ceux qui se lancent aujourd'hui, tous s'adressent à la jeunesse. Oui, nous nous adressons à la jeunesse parce que, vous savez... C'est-à-dire la particularité au PDP, c'est quoi la particularité du discours que vous servez aujourd'hui? C'est ce que je vous ai dit. Soyez sensible à ce que je dis parce que c'est le centrisme. L'avenir du Togo, c'est le centrisme. On l'entend depuis, on a vu un mouvement centriste qui s'est L'antagonisme qui s'est installé depuis les années 90, un camp ne peut pas l'emporter sur l'autre. Mais les conservateurs ont la chance d'être au pouvoir. Et c'est leur avantage. Oui. Mais les radicaux, comment ils vont faire pour prendre le pouvoir? Quand le général Adémaï, il est mort en 2005, est-ce que vous vous êtes imaginé un seul instant le scénario qu'on a eu? Est-ce que vous avez imaginé ça? L'avenir appartient au centre. Et s'il y a alternance dans le pays, ça sera le centre. Un peu comme en RDC. Quand vous voyez un peu, il faut être réaliste. C'est pour ça que nous disons. C'est un discours difficile à assumer, mais nous l'assumons pleinement. Demain, s'il y a un président qui doit assurer de l'alternance dans ce pays, ça sera un président qui vient du centre, qui a un discours rassembleur. Nous allons rassurer ceux qui sont là, nous allons diriger le pays ensemble pour un temps, parce que le plus important pour nous, c'est quoi? C'est mettre le pays sur la voie de l'émergence, c'est semer les graines de l'émergence. Ce n'est pas qui a fait quoi dans le passé, ça ne nous intéresse pas, nous. C'est vrai, nous n'allons pas occulter notre passé, nous allons l'assumer pleinement, mais ce qui est important pour nous, c'est comment nous allons faire pour avancer. Parce que nous avons une position stratégique très importante que nous pouvons exploiter. Faire de ce pays vraiment la puissance de l'Afrique de l'Ouest sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan du tourisme, sur le plan de développement. Actuellement, ce qui est fait sur le plan des réformes, c'est une très bonne chose qu'il faut encourager. Nous n'allons jamais mal parler de notre pays. Nous allons assumer notre passé, notre présent. Et le futur, nous allons le construire ensemble. Voilà ce que nous voulons servir à la jeunesse. Et la jeunesse, je vous assure, ils comprennent ce langage-là. Ils comprennent ce langage. Et c'est ce qui va faire que nous allons assurer l'alternance au lendemain du scrutin du 22 février. Voilà. Vous l'avez dit, le pouvoir va passer par le centre. Mais en même temps, vous avez reconnu tout à l'heure, par exemple, que quand on regarde la plupart des candidats, surtout ceux qui viennent de la diaspora, il y a beaucoup de centristes parmi eux. Quelle est la particularité? C'était le sens de ma question, du discours du PDP. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi X la différence, c'est que nous sommes sur le terrain, ça fait longtemps. Oui. Quand vous venez, même si vous avez un discours centriste, quand vous venez de la diaspora ou bien vous venez, mais quel est l'appareil que vous avez sur le terrain? Est-ce que vous avez des démembrements dans l'ensemble? Est-ce que vous pouvez m'assurer que ces gens-là, est-ce qu'ils pourront mettre les délégués dans les bureaux de vote? Est-ce qu'ils savent comment on fait une campagne au Togo? Il ne suffit pas d'avoir un discours qui va vers le centre pour rassembler, non. Il faut avoir un appareil. Est-ce qu'ils ont l'appareil pour ça? Parce que nous venons de sortir de deux élections, comme vous l'avez si bien dit. Et donc, nous savons comment ça se passe sur le terrain. Et je vous assure que nous avons toutes nos chances pour gagner ces élections. Au soir du 22 décembre. Alors maintenant, ce qui préoccupe au-delà de tout les Togolais, c'est aussi la question, on le sait, c'est l'assiette, hein, d'abord. Quelle est la proposition au niveau du PDP? Est-ce que vous vivez ce que vivent les populations aujourd'hui? Vous ressentez, on est en période de fête, je suis sûr que vous le voyez, la morosité qu'il y a dans le pays aujourd'hui. Le remède, il est lequel pour vous?
Le remède, comme je vous ai dit, c'est un discours de rassemblement. Nous devons nous retrouver. Vous savez, la première chose que je ferai quand je serai président, c'est au lendemain des élections, c'est réunir les Togolais. Comment ? On va se mettre ensemble. On a tenté des choses dans ce pays. On va discuter. Qui ne semble pas avoir marché. On va discuter, c'est réconcilier les Togolais. Quand vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre pays, quand il n'y a pas une communauté de destin, et quand il n'y a pas une communauté nationale, vous ne pouvez pas prospérer. C'est ça. Il faut rassurer les gens. Il faut les mettre ensemble. Quand vous allez finir de faire ça, il faut réformer l'État. Vous allez réformer l'État, réformer l'administration et faire en sorte qu'il y ait de la bonne gouvernance. Seconde chose, c'est le chantier économique. C'est faire en sorte que ce pays devienne un pays industriel. La mécanisation de l'agriculture, mettre des moyens au niveau de l'agriculture. La troisième chose, c'est faire en sorte que chaque année, que nous ayons un point de croissance. Parce que quand vous rassurez les Togolais, quand vous les mettez ensemble, quand il y a le pardon et la réconciliation, les gens pourront travailler ensemble pour que vous puissiez avoir les résultats. Chaque année, avoir un point de croissance pour qu'à la fin de notre premier mandat, que nous puissions avoir une croissance à deux chiffres. Et le quatrième pilier, ça sera la redistribution. La redistribution, l'inclusion sociale et financière. Bon, voilà les quatre piliers sur lesquels nous allons bâtir une démocratie prospère, restaurer un état de droit, la bonne gouvernance, donner l'exemple. Et vous savez, Sylvanis Onimpio était le père de l'indépendance togolaise. Je ne sais pas ce qu'on va mettre dedans, mais il revient aux historiens de réfléchir sur la question. Nyasingbe Yadema était le père de la nation. Je ne sais pas ce qu'on met dans le concept. Oui. Maintenant, le président fort doit être le président réconciliateur et réformateur. Vous allez dans toutes les capitales, les pays qui ont réussi. Il y a un nom quand vous voyez à l'aéroport ou bien dans un musée. Il y a un nom. Vous vous demandez pourquoi ce nom, on vous dit, c'est lui qui a fait la réforme. C'est lui qui a lancé les pays, le pays. Et maintenant, le pays devient un dragon, comme on l'appelle. Devient un dragon. Et là, le prochain président qui viendra sera un président parce que vous aurez déjà les outils, vous aurez le sous-battement. On aura déjà sarclé, il suffira de semer. Donc ce président viendra pour les réformes économiques et mettre le pays sur la voie du développement, la voie de la croissance pour que le pays puisse atteindre deux points de croissance en l'an 2025 pour faire de ce pays un pays émergent en l'an 2030. Ça veut dire, vous pensez que le président de la République, Faure Gnassingbé, a suffisamment balisé le terrain pour le travail de Innocent Kagbara président en 2020, c'est ça? Oui, je crois. Vous savez, des fois, il faut reconnaître ce que l'adversaire fait. Si on ne le fait pas et nous sommes dans un discours populiste, nous n'allons jamais avancer. Parce que des fois, il faut se demander pourquoi nous n'avons pas eu l'alternance au pays. Depuis les événements du 19 août, comment vous pouvez imaginer que vous puissiez mettre dans la rue 1 million de Togolais et que vous ne puissiez pas avoir l'alternance? Dans d'autres pays, il a fallu qu'il y ait moins que ça. Pour avoir des résultats. Pour avoir des résultats. Donc, il faut se poser des questions. Moi, je ne suis pas, c'est pour ça, si vous connaissez mon style, je ne suis pas quelqu'un qui va sur les plateaux télé pour lancer des slogans. Parce que quand vous lancez les slogans, vous rentrez chez vous à la maison, rien ne se passe. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il faut reconnaître qu'il y a quand même du travail qui est fait. Et il faut dire que nous, de l'opposition constructive, nous sommes en train de mettre la pression sur le gouvernement. Les réformes sont en train... En une année, nous avons, si vous permettez le terme, les réformes sur le plan institutionnel, sur le plan politique, ça a été vidé. Ça a été vidé. Le pays va fonctionner, les institutions seront établies. Nous sommes en train d'installer le Conseil économique et social. Après, nous allons installer, en 2020, ça sera le Sénat. Le pays va fonctionner. Et là, maintenant, ce dont nous devons nous occuper maintenant, c'est l'économie. C'est le social. C'est comment est-ce que nous allons construire les hôpitaux? Comment est-ce que nous allons recruter les jeunes? Comment est-ce que nous allons faire en sorte que nos femmes puissent aller au marché, puissent revenir, puissent avoir de l'épargne, puissent envoyer leurs enfants à l'école? C'est ça le plus important, ce n'est pas la politique. Il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour s'occuper du développement. C'est ce à quoi nous allons nous atteler au lendemain de notre élection. Alors, si vous reconnaissez quand même que le chef de l'État actuel a balisé le terrain pour que vous fassiez demain un bon travail, et il sera probablement candidat, pourquoi vous pensez qu'on le délaisserait à votre profit, par exemple? Vous savez, dans les multinationales, dans les grandes firmes, quand vous faites 2 ans, on vous envoie dans un autre pays. Est-ce que vous savez pourquoi on envoie dans un autre pays? Pourquoi? Parce que quand vous durez, il y a des habitudes que vous prenez. Et ce n'est pas facile de laisser ces habitudes. C'est pour ça que nous pensons que M. Faure Gnassingbé doit prendre la hauteur d'être dans sa peau d'un président réconciliateur et réformateur. Faire les réformes et qu'un autre vienne s'occuper du développement. Mais je le dis et je l'assume, personne ne peut diriger ce pays en 2020 si la personne n'a pas
une discussion franche avec UNIR. Ce n'est pas possible. Oui. Mais ce n'est pas possible parce que le pays sera déstabilisé. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina? Vous avez vu ce qui se passe au Mali? Vous pensez que des gens qui sont restés 50 ans, vous pouvez... Moi, je trouve irresponsable les leaders politiques qui viennent, qui disent non, nous, on va gagner, nous, il y aura la rupture. Ce n'est pas responsable, c'est irresponsable. Il faut rassurer ceux qui vont vous laisser le pouvoir. Il faut qu'ils soient dans le pays, que nous puissions diriger le pays ensemble. C'est ça que nous avons et c'est ça que nous allons offrir aux Togolais. Donc, M. Fornia Singbe, c'est vrai, il a peut-être un bilan, mais il a aussi un passif. Nous, nous sommes un homme jeune, un homme nouveau. Donc, c'est cette nouveauté que nous allons vendre, c'est nos idées que nous allons vendre et nous allons construire sur ce qui est fait actuellement. Nous ne pouvons pas dire que ce qui est fait n'est pas... Peut-être qu'il y a des améliorations à apporter, mais ce qui est fait n'est pas mal. Il faut le souligner, il faut le dire. Il faut avoir un discours de vérité. Vous pensez que c'est n'importe quel pays, on taxe notre pays de dictature, de ci, de ça? Vous pensez que c'est n'importe quel pays où on dit qu'il y a la dictature qui peut avoir, qui peut être premier réformateur, troisième? Vous pensez que c'est n'importe quel pays? Vous pensez que c'est si facile que ça? C'est pas si facile, M. Samuel. Il faut le reconnaître. C'est pas facile. Mais vous avez vu, il y a des pays où les gens vous ont dit non, on peut casser, on peut faire ci. Quand nous allons prendre le pouvoir, nous allons restaurer, nous allons reconstruire. Mais vous allez trouver l'argent où? Mais vous allez trouver l'argent où? Ou soit il y aura plus d'impôts ou... Comment vous allez faire? Il faut expliquer aux Togolais. Vos 100 premiers jours, comment est-ce que vous allez faire? Nous venons de voter la loi de finances. Mais comment, où est-ce que vous allez trouver les ressources? Mais quand vous n'avez jamais géré l'État, quand vous n'avez pas une épicerie, vous pouvez raisonner comme ça. Mais quand vous avez une fois géré quelque chose, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Parce qu'il y a la continuité de l'État. Il y a des engagements que nous avons pris. Le prochain président doit respecter ses engagements. Donc quand vous comprenez comment fonctionne l'État, nous sommes au Parlement, ça fait un an, mais je vous assure que nous avons appris. Parce que nous venons du privé. Nous venons du privé. Mais des fois, moi, ça ne me gêne pas de dire. Des fois, je demande à mon administratrice de commission ou aux gens qui sont au Parlement, comment on fait si? On vous dit, non, président, ça là, ça vous pouvez pas faire. Ça vous pouvez pas faire. Mais ça s'apprend. On n'improvise pas quand on veut diriger un pays. On n'improvise pas. On ne vient pas sur les plateaux télé pour lancer des slogans. Il faut dire la vérité aux gens. Voilà. La réponse que vous venez de donner tout de suite à ma question, est-ce que je dois entendre dans cette réponse également que pour Innocent Kagbara, le président sortant ne doit plus, je n'ai pas dit peuple, mais ne doit plus se représenter? Il ne nous revient pas au PDP. Nous, on s'occupe vraiment du PDP. Nous sommes en train de faire un travail de maillage du territoire. Nous sommes en train de nous préparer pour faire une très bonne campagne et puis faire un bon score. Ce qui concerne UNIR, il revient au cadre d'UNIR et au parti de nous. Nous ne nous prononçons pas. Mais je tiens à souligner au passage que dans notre constitution, rien n'empêche fort Yassine Bey d'être candidat. Et ce n'est pas avec un véhicule, avec un petit mégaphone, avec deux ou trois personnes que vous allez empêcher la candidature de Fornia Singbe. Soyons sérieux. Et tout le monde sait, même ceux qui sont candidats, tout le monde sait que Fornia Singbe sera candidat. Mais comment vous allez faire pour empêcher la candidature de Fornia Singbe? That is the question. Dans, au niveau de l'opposition dont vous êtes égal, vous faites également partie, il y a eu ce vieux débat, c'est vrai, sur la candidature unique. C'est vrai que c'est dépassé aujourd'hui, mais vous pensez qu'à l'époque, où, il y a quelques mois, quand le débat était posé, il fallait sérieusement aborder la question pour aller dans cette dynamique ou bien les deux tours règlent le problème pour vous? Non, nous pensons que les deux tours règlent le problème. Nous nous sommes battus au niveau du Parlement pour avoir les deux tours. Bon, quel est l'intérêt? Vous savez, il y a des partis politiques, il faut que nous soyons sérieux, il faut que nous ayons un discours franc. Il faut que nous ayons un discours franc. C'est ça qui justifie même notre présence au niveau de cette présidentielle. C'est pour reposer les vrais débats. Dire non au quatrième mandat de Fornia Singbe, tout le monde le sait. Dire 50 ans, ça suffit, ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas un programme de société. Il faut reposer les vraies questions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, il faut reposer les vraies questions. Quand on a fini de reposer les vraies questions, maintenant, on peut voir, on peut analyser. Mais il faut franchement que nous ayons un langage de vérité et que nous puissions répondre aux vraies questions. Est-ce que le candidat Innocent Kagbara n'a pas un peu ou n'est pas un peu frileux quand il voit ce flot de candidatures aujourd'hui? Non, 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 non. Nous sommes confiants en nos chances. Je pense que c'est une très bonne chose pour la vitalité de notre démocratie, mais laisser les gens s'exprimer. J'aurais souhaité même que tout le monde soit candidat pour qu'on connaisse le poids politique de chacun. Qu'on connaisse, mais ce que je veux vous faire observer, les candidats venant du centre, il faut observer leur score. C'est important d'observer les scores. Parce que sur 5-10 ans,
je vous assure que les radicaux vont disparaître parce qu'ils n'auront pas d'autre choix. Parce que quand vous promettez quelque chose aux populations, deux ou trois mois après, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout le temps venir dire que nous nous sommes excusés, mais comment vous faites tout le temps? Non, mais moi je suis rassuré, je suis sûr de mes chances. Non, laissez les gens se présenter. Il y a même quelqu'un que vous recevez qui était, je ne sais pas si ça s'appelle activiste ou qui est maintenant candidat, qui dit qu'il faut pas qu'il a ses chances, qu'il faut pas qu'il a ses rêves, pourquoi on ne veut pas qu'il soit candidat. Mais c'est intéressant de laisser les gens poser leur candidature. Mais en même temps, vous ne pensez pas que c'est plus les chances de l'opposition d'avoir la tendance qui s'amenuise? Vous ne pensez pas ça? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que dès lors que nous avons les deux tours, vous devez laisser les gens aller au premier tour. Oui, le meilleur d'entre nous qui sera au second tour. Le deuxième tour n'est pas garanti non plus. C'est ça aussi la question. Parce que quand on analyse. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait de. Pourquoi est-ce que lors du 19, l'heure des événements du 19 août, pourquoi vous allez parler alors des deux tours alors? Mais pourquoi est-ce que vous avez fait des deux tours une condition sine qua non ou bien une question de négociation? Pourquoi? Oui, on peut les avoir écrits dans les tests, mais Macky Sall a gagné dès le premier tour. Je vous rappelle que Fornia Singba a toujours gagné au premier tour. Oui, c'était ce que j'allais dire tout à l'heure. Si deuxième tour il y a, ce sera un échec pour le chef de l'État actuel. Pourquoi est-ce qu'on a toujours demandé les réformes? Donc il ne fallait pas faire les réformes? Pourquoi est-ce qu'on est descendu dans la rue? Textuellement, on a deux tours. Mais dans les faits... Non, moi, ma question, c'est que pourquoi est-ce qu'on a demandé les réformes le 19 août? Je suis mal placé pour répondre à cette question. Non, mais posez-leur la question. Moi, j'analyse simplement. Si les deux tours, ça ne sert à rien. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait les réformes? On n'a pas dit que ça ne sert à rien. On les a, mais ce n'est pas Darda qu'on ira au second tour. J'ai donné l'exemple de Macky Sall. Il a gagné dès le premier tour. Sérieusement. Ouari a gagné dès le premier tour. Sérieusement, vous pensez que vous pouvez créer un parti politique ou un parti politique qui existe depuis 10, 15, 20 ans, qui se cache derrière le regroupement? Vous pensez qu'un parti politique se crée pour être derrière quelqu'un? C'est au second tour. Celui qui sera le mieux placé parmi nous, nous allons le soutenir. C'est comme ça que ça se fait dans n'importe quelle démocratie. Mais pourquoi est-ce que... Mais ceux qui sont tout le temps dans les coalitions, là, je vous ai demandé quel est leur poids politique. Mais je peux vous citer des partis qui faisaient partie de la coalition de C14. Mais dites-moi quel est leur poids politique. Dites-moi combien de conseillers ils ont, combien de députés ils ont. Sans la coalition, c'est parce qu'ils ont une coalition au niveau électoral. Même sans cette coalition, ça donne quoi? Oui. Mais alors, donc, vous savez, les deux tours, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant parce qu'à partir de maintenant... Que chacun, parce que vous savez, il y a des gens qui ne pourront jamais être candidats à une élection présidentielle. Ils peuvent aller au local, ils ne seront jamais, mais ils n'ont qu'à le dire qu'on ne peut pas. On n'a pas de projet de société, on n'a pas la caution, on ne peut pas. Donc, ils n'ont qu'à le dire aussi. Vous pensez que ceux qui se battent pour une unicité de l'opposition pour présenter un candidat, c'est des... Mais moi, je n'ai pas participé aux travaux, mais exactement. je vous rappelle que... ceux qui ont suivi les actualités ce week-end, les gens ont dit non. Oui, bien sûr. Non, moi, soyons sérieux dans ce qu'on fait. On n'est pas souvent sérieux. À la veille de l'élection, tout le monde, on devient subitement des agneaux. Tout le monde est bon, tout le monde se parle, on se réconcilie, alors qu'on ne s'aime pas. Mais quel est l'intérêt? Alors que les ministres de force sont sur le terrain? Ils sont sur le terrain 24 sur 20. Mais quel est l'intérêt de... Mais c'est un sketch. Mais ça rime à quoi? Parce que est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura un candidat unique de l'opposition? On n'a jamais vu quand même au Togo, mais rien n'est exclu. Mais quel est l'intérêt de perdre le temps dans des concertations qui ne valent pas la peine? Quel est le temps? Alors que nous devons aller sur le terrain. Nous devons aller sur le terrain. Nous devons réfléchir pour un programme de société. Alors, crédible. Ça veut dire que Innocent Kagbara n'a pas peur que le candidat du pouvoir, quel qu'il soit, puisse battre tous les candidats de l'opposition dès le premier tour, c'est ça? S'il y a un deuxième tour. Moi, je ne sais pas s'il y aura un deuxième tour, mais bon, s'il y a un deuxième tour. Dès le premier tour, vous ne pensez pas qu'il pourra battre? Dès le premier tour, qu'il pourra battre tous les candidats de l'opposition? Je ne peux pas me prononcer. Là-dessus. Avoir 51, même 50, le président Zimbabwe, il a eu 50,8%. Il a été déclaré élu dès le premier tour. C'est ça le risque aussi. Oui, c'est ça le risque. Mais est-ce que quand il y a eu CAP 2015, oui, ça donnait quoi?
Mais dites-le-moi. CAP 2015, ça a donné quoi? On connaît l'historique des regroupements politiques au Togo. Oui. Mais ce que j'essaie de dire, l'UFC, c'est que... CAR avait décidé, je ne sais pas en quelle année, de laisser tomber sa candidature pour soutenir l'UFC. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Donc, vous avez la réponse à votre question. Ça a donné quoi? Si on doit partir sur cette base, donc je pense qu'il n'y aura plus d'élections. D'accord. Alors, laissez le candidat de pouvoir, on dit, bon, écoutez, ben, vous êtes bien, vous continuez, et puis c'est bon. Il y a eu aussi, cette année, c'est aussi une innovation à mettre à l'actif du Parlement, le vote des Togolais de l'étranger. Il y a 6 pays qui sont concernés. La Commission électorale nationale indépendante a communiqué les chiffres aujourd'hui et j'ai cru lire sur certains journaux qu'il n'y a eu que 348 Togolais inscrits dans les 6 pays. Est-ce que vous pensez que c'est décevant ou non? On l'accepte, c'est une première expérience. Je pense qu'il faut construire par des victoires d'étape. Mmh. C'est déjà une très bonne expérience que les Togolais de la diaspora puissent s'exprimer lors des élections présidentielles de 2020. Mmh. Nous prenons d'abord ça. Oui. Nous prenons d'abord ça. En 2023, ça sera une autre affaire. Mmh. Donc je pense... mais moi, je n'ai pas encore les statistiques, donc je ne peux pas me prononcer vraiment sur la question. Mais je trouve que 300, c'est pas... 348 exactement. C'est pas important, ça. Mmh. C'est insignifiant, mais c'est un bon début. Mmh. Déjà, certains Togolais de la diaspora pourront s'exprimer. C'est le plus important. Mmh. Innocent Kagbra, nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un message à faire passer? C'est un message d'espérance, parce que nous sommes une candidature, nous sommes des candidats jeunes pour la plupart, je ne sais pas si vous avez observé. Mmh. Nous voulons dire aux Togolais qu'ils doivent garder l'espoir. Mmh. Nous devons avoir un pays réconcilié. Nous devons faire en sorte de pouvoir rassembler les Togolais. Parce que nous, notre idéologie, c'est le pragmatisme, l'humanisme, et faire en sorte que nous puissions construire une communauté de destin, une nation. Parce que nous avons un État, mais nous n'avons pas encore une nation. C'est ce que nous cherchons à construire en étant chef de l'État au lendemain. Et nous aurons un programme présidentiel où nous aurons au moins 1 milliard que nous allons affecter dans chaque préfecture. Oui. Où le préfet va réunir les dignitaires pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Et ce programme sera logé à la présidente de la République. Nous allons donner 1 milliard également aux médias, des médias comme vous, mm-hmm. pour se faire former, pour aller discuter avec vos collègues à l'extérieur, pour vous donner des équipements. Mm-hmm. C'est très important. Donc nous voulons dire aux Togolais que le Togo, c'est un pays béni. Nous devons avoir confiance en notre pays. En notre pays. Innocent Kagbara, merci d'être passé. Et pour finir, je dirais, votez pour le PDP, et parce que vivre au centre ou crever aux deux extrêmes. Merci. Merci Innocent Kagbara d'être passé, président du Parti démocratique panafricain. C'est PDP. Moi qui vous remercie. La pause est juste après le journal Regard Croisé.